C'est le genre de merguez. C'est pour toi, Jeanne. Bon, Jeanne est belge, mais c'est pas grave. Ah, je vais mettre Sirnaïs. Qu'est-ce qui a été son de ça? Ouais. On vient voir chez toi. Mais oui, on est chez moi. On fait une grande coloc, comme dans la chanson Germaine de Renaud. Germaine, Germaine, une Java ou un tango, connard le virus. Salut, pareil au même coronavirus. Pardon, j'ai du mal avec Renaud maintenant. Et au bureau de la bière, elle luttait au jasmin, assis en haut par terre sur un fauteuil indien, sur un tapis indien. Alors, j'ai une tire et un gantelet. Bon, il est tryhard là maintenant. Bon, Fiora maintenant faut dodge, c'est terrible. Fiora élu, c'est dodge à tout prix. Avant, j'aimais. Enfin, non, j'aime bien quand je peux aller voir en dueliste et snowball avec Warwick. Ça, j'aime bien ça. Ça me plaît bien dans ces circonstances-là, sinon ça me plaît pas du tout, sinon. Mais dans ce cas de figure là, pourquoi pas. Alors, est-ce que t'es chaud pour la Fresh Cup ou pas, Robin? Fresh Cup. J'espère que t'es chaud, attention. 5 monnaies à toutes les games. T'avais pas dit que tu tryharderais, Robin? Salut, pareil au même. Putain, le Wukong élu, sa merde. Tuez-moi. Le fameux Wukong élu, sa merde. Cela dit, c'est un des meilleurs go to Warwick, lui, pour le coup. Go to Warwick. On verra. Franchement, Robin, n'hésite pas à jouer 5 moulets quand t'es dans ma Vous poule. n'avez pas Oh! le monopole du cœur. Oh, merci Jordan pour les 5 subs! Oh! Jordan qui remet la Giscard! Merci Jordan! Je parle pas pour qu'on l'entende bien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je trouve ça choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Monsieur Mitterrand, vous ne l'avez pas. Monsieur Mitterrand. Monsieur Mitterrand. Je sème une hoge ou pas? Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur, Monsieur Mitterrand, vous ne l'avez pas. Salut Stress Uranus. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mitterrand. Je suis ça, je pense. Monsieur Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Oh là, vous n'avez pas. Merci beaucoup, Géralo, pour l'abonnement. Merci beaucoup. Mais quelle soirée, oh là là là. Tous à poil. Génial. C'est génial. Attendez, pourquoi il le met 4 lui? Ah d'accord, j'ai pas vu. Je crois qu'il avait juste pré-push pour avoir un élu. Mais il l'a déjà en fait son élu. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, j'ai rien dit. Salut Uralus. Alors oui, VGE, VGE, bien sûr, terrible. En plus, il est parti si jeune en plus. C'est horrible là, quand les gens nous quittent en pleine force de l'âge comme ça là. C'est vraiment affreux moi je trouve, quand les gens ils nous quittent là. C'est des épreuves de tant de vivacité, c'est terrible quoi. Meurtrissure terrible je trouve. Je vais faire ça pour avoir Medigold là je pense. Je suis pas plus faible en vrai. Tout ce qu'on a la compo de Warlord et Katé avec Zinkari. Moi je préfère jouer 6 Warlord perso que 9 mais... Je crois vraiment qu'il est mort du Covid. Je pense qu'il avait le Covid. Après. Après je pense qu'à cet âge-là, t'as plein de pathologies qui font que dès que t'as un petit rhume, rip quoi. Moi je veux bien. Moi je crois volontiers qu'il avait le Covid, tu vois. Après, est-ce que c'est le Covid qui l'a tué ou est-ce que c'est. Ah, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil quoi. Bon, je veux bien croire que le Covid est un peu aidé quoi. Et bon, c'est quand même plus classe de dire que t'es mort du Covid que d'une chute dans la salle de bain, quand même. Moins 16 HP hors de fight, yes. Moi, j'aurais la priorité pour prendre un Négatron pour Runan. On va finir par se renforcer tout seul là en vrai je pense dans la game.
Ma grand-mère a 75 ans, elle a survécu au Covid. Ma grand-mère, supérieure Giscard. Elle a sûrement eu une vie ou reposante. Enfin, ou reposante. Je dis pas que le président c'est reposant. Loin de là, même. Je pense que ça use de ouf. Mais par contre, les émoluments à vie, une fois que t'es plus président, ça doit être reposant, ça, par contre. Ça doit être super reposant, ça. Je pense qu'être président, potentiellement, ça doit niquer la santé. Parce que le stress, ça nique trop la santé. Un truc de fou, quoi, tu vois. Après Hollande, franchement, il a pas l'air d'avoir trop stressé, tu vois, donc ça dépend des présidents, j'imagine. Non, je plaisante évidemment, je pense que. Ouais, je pense que c'est pas un bon poste, on va dire, pour le cœur, je pense. À mon avis. Tu te présentes toi. Ouais, ouais, moi, je suis d'accord que les émoluments à vie, c'est vraiment très intéressant, quoi. Moi, vraiment, je trouve ça très motivant, personnellement. Alors. J'ai une super spat, mais. Je joue pas trop là. En tout cas, pour ceux qui veulent jouer Dusk, c'est pas mal. Moi, je suis très très team Dégatron là, setup du Ruinen QSS. Je joue Warwick tranquillement là. Edouard Philippe, il a perdu cheveux plus barbe blanche. Ah, mais Philippe, c'est un exemple incroyable, mais le pire, c'est Obama quoi. Vous regardez Obama en 2008 et vous regardez Obama en 2016. Le avant-après de Obama est incroyable. Le avant-après de Philippe est incroyable aussi parce que c'est sur une très courte période. Mais j'avoue que les gilets jaunes, à mon avis, ça a dû bien les stresser quand même. Ok. Plutôt Ruinane pour mettre la pression. Après, est-ce que. Non, on peut pas. J'aurais pu stuff Vayne en vrai. Hein. Elle laissait juste là en front line quoi. Effectivement, mais bon. J'ai pas de Divine, ça fait trop chier ça quand même. Je vous ça. Ça me saoule de pas avoir eu de Divine quoi. Alors, cela dit, j'ai 3 upgrades maintenant, donc c'est pas mal. J'aurais pas dû vendre le Garen par contre. C'est un truc à Vanguard à un moment donné. Bah, j'avoue que Macron, qu'on aime ou qu'on aime pas, il a pas eu... Franchement, il a pas eu le quinquennat le plus reposant, je pense. Hein. C'est qui a eu le meilleur quinquennat? Franchement, celui qui a eu le quinquennat AFK, c'est Chirac quoi. Chirac 2002-2007, full AFK quoi. Full AFK quoi. J'avoue que. Quel est le plus reposant, je pense. Ah, un petit. On peut faire un petit bête, c'est vrai ça. Faisons un petit bête. Allez. Petit bête. Alors. Allez, va-t-on faire top 1, 2, 3. Allez, j'ai 5 minutes pour voter parce que je suis un mec comme ça, moi. Je vais être comme ça, moi. Je suis fauché pour bête, ah, terrible. Bon, tant pis, on rentre Kellen, on veut les 30 gold, tant qu'à faire. Je pense pas être si faible que ça dans la game, je peux rentrer 4 sharp en vrai. En fait, j'ai essayé de rentrer des divines pour booster mon Wukong, mais bon. Alors. Ok. On va gagner ce fight, ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Je vous ai dit, il faudrait qu'on arrive à trouver 4 Vanguard, 4 Divine là au level 7. Histoire de pouvoir rush 8 tranquille. Bon, on va bien venir pour trouver des Irelia Deluxe quand même, non? Sarko il a diffusé une mannequin en plein quinquennat durant la vie. Enfin, Hollande aussi, il a changé de compagne en plein quinquennat. Charmante en plus, madame Gaillet. Absolument charmante. Il faut bien le dire. Bon, l'idée c'est de préparer un petit blue buff et préparer le stuff Warwick. Là, y a pas de. Faut pas descendre trop bas en PV quoi. C'est juste ça quoi. Faut pas qu'on descende trop bas. We want some HP. Pépépépapa. Ok, je trouve une Irelia, nice. I want to break free from your banana, power of me. Et je trouve un arc, sauf que j'avais déjà fait mon. Putain de Ruinane, fuck. Le Négatron aurait été beaucoup plus intéressant pour nous là. Shigaï, c'est pas vrai, Calabruru. Ah oui, je préfère Julie Gaillet que Calabruni, je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec ça.
Car la brue. Non, la question c'est est-ce que je go vendre ça pour les 50 gold? Je sais pas, hein, je suis pas sûr. C'est pas moi qui l'ai dit, Shoren. T'es responsable. Chacun sur ce chat est responsable de ses propos. Hein. Pourquoi il a Warwick lui? Oh putain, mais ça dégoûte ça en vrai. Ah, mais dégage avec ton Warwick. Il dégoûte lui, il a luxe aussi, non, mais turbo, il dégoûte pas lui, il turbo dégoûte même en fait. Z2, non mais ça l'a fait du slip. Putain hein, l'enfoiré quoi. Enfoiré. En tout cas je trouve que c'est un super verbe, jambonner. Je connaissais pas trop l'expression, elle est super. Du coup, il me faut la front lane quand même. Le problème, c'est qu'on manque de. En fait, là, il faut virer Vayne. Sur Slam. Non, faut absolument QSS. Le problème, c'est que c'est plus cohérent d'avoir Vayne Nidalee quoi, du coup. Alors. C'est une super Kindred mais sans front lane, super mes couilles quoi. Le problème c'est que si je roll encore, l'économie elle va commencer à ressembler à l'économie à l'économie de... Je sais pas, d'un mec qui a ouvert son resto le 30 mars quoi. C'est à dire pas ouf, c'est juste chou. Je trouve que ça vend toujours un peu de front line, mais bon. En sachant qu'éventuellement. En vrai, 30 gold à ce moment-là de la partie, c'est ok, je pourrais être à 40 du coup, mais bon. Comme on a un peu galéré à toucher. J'ai pas touché, oh! C'est pas normal! J'ai pas touché! Toi qui voulais! Alors lui, il veut un gant, pas une QSS, c'est cool. Enfin, il veut le QSS, mais pas le même item que moi, quoi. Touché la chatte à la marine. Ta-da-da-da-da-da-da. On prend nouveau Kong. Kong. Salut Waymail. Waymail. Alors oubliez pas le check-in du tournoi, c'est dans 15 minutes. Vous pouvez vous inscrire à un point d'exclamation tournoi si vous êtes motivé et chaud pour un petit tournoi ce soir, histoire de bien commencer le week-end. C'est pas le week-end du tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on se comprend, l'essentiel c'est que le message soit passé. Bon, on va faire la QSS. Est-ce que tu peux chanter du Francis Cabrel? Je pourrais. Je peux chanter l'instant d'amour de Francis Cabrel si vous voulez. Ou alors encore la cabane du pêcheur. Wemail, c'est Wemi en Amérique. Remail. Ah non, alors. Franchement, je connais très bien Rémi. Et je connais des Américains, ils l'appellent pas Remail. Ah, pas du tout, Gregor, salut. Nous, on est à Horus, nous, donc. Moi, je mange pas de ce pain là, moi. Je peux faire de statique, hein. J'ai déjà assez donné pour stab. Du coup j'ai plus de divine, ça fait chier mais. Je pourrais entendre 4 divine mais non mystique c'est bien. J'ai qu'une upgrade, c'est ça qui me chagrine un peu là quand même. Il y a beaucoup d'adversaires qui c'est marrant, ils sont encore encore level 5 quoi dans la game quoi, ça... Le début de partie était très agressif et derrière... Moi j'ai roll du coup je m'en sors un peu là et les autres ils sont en mode full chill et du coup j'arrive à gagner les fights alors qu'en début de partie j'étais assez faible. Non. En tout cas notre petite Kindred au level 6 là elle est venue... Elle nous assure, alors si on trouve Deathblade on est les rois du pétrole. Mais c'est vrai que il manque vraiment la Deathblade quoi. Ce serait trop bien Deathblade ici. Ce serait super.
Il y a encore deux mecs à 100 HP dans le lobby. Hein. On va peut-être taguer lui là. 4 initiateurs, je le battrai jamais avec ce que j'ai là en vrai. Je le battrai jamais avec mon setup de merde là. Il est complètement avec l'attaque mon setup. Comment on fait? Tu penses que top 3 est faisable? Oh oui, je pense. Oui. Bah, top 2, top 1, enfin, tout est faisable encore pour l'instant. Bon, je le battrai pas, je pense qu'il y a une rival en plus là. J'espère qu'on le tag pas du coup. Évidemment, on le tag évidemment. Et y'a no way que je le batte là, 4 Vanguard, là, c'est trop fort contre moi. J'ai Mystique, mais bon. Après, il y a un monde où Kindred fait le café, mais. Voilà, ouais, Riven. Après, sa Kindred en face, c'est une Kindred 1, mais bon. J'y crois moyen quand même là. On est pas loin, on est pas loin, on est pas loin. On était pas loin, on était pas loin du tout de le fumer. Dommage. Dommage, dommage. Mais un tableau de Giscard pour rendre hommage. Mais non, on va pas mettre un tableau de Giscard. Non mais c'est pas possible. Non je te dis mais c'est pas possible en vrai. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça, je suis désolé. J'ai déjà mis Giscard en son de sub. C'est pas mal déjà. On peut mettre un tableau de Giscard hein, vraiment. C'est pas possible quoi. Ça dénoterait beaucoup quoi. Ça ferait un potage quand même quoi. Là, je vais me mettre sur le lien pour check-in le tournoi à 18h. Cabane du pêcheur. Ah, j'ai mes tirs, ça c'est bien ça. Un coup de main de Nico. Bon, j'ai pas d'épée par contre. Okay. Bon, du coup, go tire sur Kindred. Hein. Tac. Tac. Donc, la question c'est on fait un Zroth. Non, pas de Zephyr, c'est mort. On fait un Zroth, non? Sinon on fait double runan sur Warwick. QSS double runan. Je crois que c'est ça ouais. Mais du coup est-ce que je peux le slam ou pas? Ça y est Baker. Runan sur ouais je pourrais mettre runan sur Yumi genre mais autant pas le mettre, ça me laisse plus de polyvalence quoi tant qu'à faire comme ça. Parce que ça en fait là j'ai pas de perso, en fait je pourrais le donner à un autre divine mais j'ai pas envie de les vendre après quoi. Donc non je pense que je le garde pour l'instant. Putain de Xin la meurt. Meurs Xin, meurs. Ah putain il meurt jamais ce con de Xin quoi. Ah voilà. Il faut, putain, il a Roldan au 7 lui. Dans quel monde on vit le chat? Pourquoi vous aimez bien Giscard? Oh, c'est pas qu'on aime Giscard tu vois, c'est pas politique tu vois, c'est plus que c'est nostalgie tu vois. De la France des années 70, bon qu'on a pas connu forcément pour la plupart d'entre nous tu vois, mais Giscard c'est Belmondo, c'est Alain Delon. C'est tout ça quoi tu vois, et bon il y a quand même un côté même sur internet pour Giscard quoi, je veux dire voilà. Mais c'est pas politique, évidemment. Politique mais c'est plus global quoi tu vois. Pas le monopole du cœur. Merci beaucoup Marigat Shepard, merci beaucoup. Et bon c'est maintenant c'est l'histoire tu vois, rentre dans l'histoire de France. Ok. Putain de Warwick quoi, c'est les couilles. Mais il va tuer le. Non, tu vois. Ah, t'as mis la chaîne aussi, mais ça fait du slip lui. Ok. Combien de Warwick? Oui, il n'y a pas Warwick. Lui, il n'y a pas Warwick. Pas Warwick, lui il a deux Warwick. Level, casse les couilles, il a pas de Warwick. Il a pas de Warwick et lui il a pas de Warwick, mais il va peut-être en trouver après. Voilà. Alors, je suis d'accord, Chorette, c'est vrai. Bah non, la fresque chronologique serait pas dans le bon ordre. Ça, ouais, en fait, il faudrait que Napoléon soit à côté de De Gaulle et que Louis XIV soit entre Jeanne d'Arc et Napoléon. Comme tu dis, mais j'ai la flemme de les décoller quoi. Après, je pourrais en soi, mais la flemme quoi. Si je les décolle, j'ai peur que ça nique le mur. Je préfère attendre la surprise quand je partirai de cet appart. Alors. Ça a bien d'autres sa mère, hein, putain. Après, là, je vais roll 8 avec un bon pécule quand même.
Souhaitez-moi de bons rôles, le chat. Souhaitez-moi de bons rôles, s'il vous plaît. On veut des très bons rôles, là. Des rôles de qualité. Alors, c'est confirmé, hein, le hachis parmentier de Talk Cooking sort ce dimanche, les amis. C'est confirmé. Anaïs a enfin CT. C'est pas ce que je voulais jouer à la base, mais... C'est pas du tout ce que je voulais jouer, mais bon. Je trouvais Kane. On a trouvé Kane en enquête mystique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Kane c'est fort, hein. Après, le problème de Kane c'est qu'il faut 3 fights, mais bon. Là, le dernier fight ce sera sur le round PvE, donc c'est cool. Ah, je crois Yone aussi, mais j'ai pas trouvé de Warwick. Ah, c'est chaud. Le problème c'est que je suis le stuff, putain je peux pas mettre le stuff de quelqu'un du coup, je dirais ça. En fait je sais pas trop quoi jouer, en fait la cassio mystique me convient pas trop en fait là. Genre j'ai un runan mais en fait si je trouve pas de Warwick, je sais pas à qui donner le stuff en fait quoi. Mais je veux rester comme ça pour un fight quoi tu vois. Après j'ai que le runan que je sais pas à qui donner en soi. Je sais pas à qui donner. Je sais pas si on peut rester sur le Kane carry. Je pense qu'on peut en soi en théorie mais. Ok. Elle sort dimanche, Jean-Laure. Ce que je viens de dire il y a 18 secondes à peu près. Après, oh, ouais, j'ai Warwick en vrai. Yone est nerf, Yone était nerf, ouais. C'est toujours le frérot quoi. Faut pas déconner quoi. Je vais en fonction des items, je pense. Et aussi, j'ai un coup de main de Nico, donc on va voir qui je peux Nico pour, faire, pour qui je peux faire level 2, quoi, tu vois. Aussi. Vrai que pas 2, c'est pas ouf. Oui, enfin. Comme tous les persos du jeu, quoi. J'ai une Deathblade, hein, maintenant. Hein. J'ai un deuxième coup de main de Nico, les amis. Bon, vas-y, go, Yone 2 et Warwick. Hein. Je crois. Par contre, j'ai raté plein de persos importants quoi. J'ai trop de trucs à faire là. J'ai un peu mongalisé. Ça n'empêche que je suis quand même très très fort. Bon, Warwick 1. Il va se faire défoncer là par contre. On contrôle le level 2 mais. Il se fait défoncer. Je vais pas rentrer ça parce que je joue déjà chaîne. Malux c'est 1. J'ai un peu raté ma transi là mais c'est pas grave. Je me demande si on pouvait pas jouer Riven Jin avec Yone 2. Avec Kane 2 mais bon. Genre j'ai pris le choix que je connais mais il y a peut-être une autre choix qui était plus un autre choix qui était plus pertinent potentiellement. Genre j'ai pas trouvé le gameplay très pertinent là en vrai. Mais bon tant pis. Déjà 3, faire ça.
marche avec grid, vas-y Nick, nice. C'est de la grid comme on aime ça les amis. Ça c'est de la grid comme on aime ça. J'ai envie de faire le Zrot. J'ai pas envie de le donner à Yone. Merde putain elle est morte avant quoi. Surtout pas à Yone en vrai. On est bien là. On est bien, on est bien. Tu triches. J'ai envie de gagner le tournoi ce soir. Je me sens chaud du cul là pour gagner le tournoi là. Bon là il faut un sixième, il faut Lee Sin en vrai là. Ou Mystique au pire en attendant mais. Ou Wukong. Donne-moi un Mystique en attendant, je suis chaud. Ouais, je peux rentrer Azir en vrai. C'est quoi ton classement dans le tournoi? Le tournoi de maintenant, là, le jeudi TFT, c'est. Tous les jeudis, c'est un nouveau tournoi, donc il n'y a pas de classement. Enfin, si, il y a un classement pour se qualifier à la finale, tu vois, mais on s'en fout un peu, tu vois. C'est... On s'en fout un peu, non, on s'en fout pas, mais. C'est-à-dire que le premier est qualifié, quoi. Le premier de chaque tournoi est qualifié, si tu vois, en gros. Après, tu peux lire les règles pour tous les détails, mais. Il y a un petit classement par semaine, mais voilà, c'est du détail quoi. Tous les jeudis, c'est un nouveau tournoi qui commence. Il m'a défoncé avec la Vayne. Sont les règles. Point d'exclamation tournoi pour toutes les infos. En fait, j'ai trop de perso corps à corps là en fait. J'ai trop de perso corps à corps en vrai. Tu reprends la Kellen Cup samedi non? C'est lundi la Kellen Cup la suite. Pas samedi. Samedi c'est la Fresh Cup. Ta 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 ta. Faut pas Zeki, parce que j'ai envie de mettre mon Warwick plus derrière. Parce qu'il se fait full bouillave devant. Je fais la Fresh Cup, je fais la Fresh Cup. Il est beaucoup mieux sur Yone. C'est pas la même utilité, y'en a un qui fait qu'il ulti plus, vite. Non, c'est pas vrai ça. Y'en a un qui fait qu'il est plus tanky. Qu'il a plus d'utilitaire. Je considère que j'ai déjà assez de dégâts dans la partie avec le Warwick. Et la vérité, j'ai pris le perso qui m'a apporté le plus de gold entre les deux. Franchement, si les deux avaient rapporté autant de gold, j'aurais pris Luden. Mais Luden était sur un perso à 1 cost. Cost 1 quoi. Vous allez chier. Salut Gordy Cube. C'est Gordy Cube, peut-être qu'on commence la campagne. La dernière campagne d'Age of Empire 3. Ce soir, après le stream, après le tournoi peut-être. Peut-être qu'on fera une ou deux missions. Si on est chaud là ce soir là. Quand j'ai les calèbes, c'est pas foufou. Bah ça se cumule. Ça se cumule. Salut Tabokimi. Tabokimi Sensei. Je pensais plus mercredi. Ah bah je les avais hein. Je les ai juste perdus là. Non c'est pas vrai. Non mais j'ai pas stream hier. Ça compte pas du coup. Désolé. Ah oui en... Un peu chelou lui quand même. Alors... Oh, il va falloir un ulti de ouf là mon Yone. Après il a une QSS sur son Aphelios donc il s'en bat les couilles de... Pas évident comme fight hein. Bon il s'avère que Malux a eu raison de son Aphelios à la fin mais. Pas évident comme fight, pas évident. Elle est super serrée cette partie, elle est super super serrée quoi. Oh une spade divide. Alors qu'il me manquait un divide pour avoir 6 divine. Mais ne serait-ce pas. Ne serait-ce pas le. Comment dire. Le coup de chat total et radical. Est-ce que ce serait pas la chat totale? C'est pas le first. Non, peut-être pas, ouais, parce que je suis bas PV là. Bon, quand même, un petit coup de main de Nico là. Pour je sais pas, Ezreal 2.
Ion et Divine, ça aurait été bien, ouais, j'avoue, mais là non. Coronavirus. Connard de virus. J'ai peur le mage en vrai. J'ai peur. Alors, Yone qui va jump, il va niquer l'armure. Alors maintenant, le gros nerf de Yone, c'est que maintenant il réduit l'armure que le 60%. Et la résistance magique est plus de 90%. Donc ça a été quand même un gros nerf de Yone. Hein. Même si le perso en fait est déjà très fort, était déjà très fort avant quoi, donc il reste toujours très fort quoi en gros quoi. Mais il a pris quand même un sacré nerf ce bâtard quoi. Attention avec le trou de mage. C'était chaud hein. C'était chaud du cul quand même. Ok. Cette combo peut se jouer en Cat Divine, c'est pas ouf. Ah si si, Cat Divine, pourquoi pas hein. Totalement. Totalement, pourquoi pas. Porque no, Arturito. Arturito. Bon, on s'en fout du Lee Sin. Je pourrais mettre Lee Sin à la place de Jax. Je préfère Jax 2 que Lee Sin 1. Quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, ça dit quoi ce fight? Bon, Yone va faire un ulti incroyable normalement. Sur toute vraisemblance. Ok, il ulti que sur Riven ce bâtard. Alors qu'il y avait tout le monde qui était aligné, il a choisi d'ulti que sur Riven, je vais mourir. Est-ce que ce coup-ci il réussit son ulti? Ok, le deuxième ulti était meilleur. Est-ce qu'on va gagner à cause de ce con de Yone? Putain, quel con ce Yone quoi. Ah, ça passe. Allo? Bon, je perds mais je meurs pas. Quel connard ce Yone putain. Quel connard. Quel connard ce type! Alors, c'est incroyable d'avoir un si mauvais ulti. Non mais, dans la vidéo YouTube qui vient de sortir sur ma chaîne. Alors, faut checker le tournoi, les gars. Le tournoi, faut checker, il est 18h là si vous participez. La vidéo YouTube qui vient de sortir sur ma chaîne, que j'ai tournée cet après-midi, s'appelle Mon Yone élu trahit la France. Deux points, je pars à Londres. Voilà. Il se passait à peu près un truc comme ça aussi. Je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. Il se passe pas pour moi, c'est cool. Il a niqué l'armure du Afeios. C'était quand même mieux avant quand il niquait l'armure à 100% quand même. 90% pardon. Mais bon, on est pas mal là. Ah, nice. Il l'a pas tué, putain, fait chier. Y'a pas un petit Ezreal 2 qui traînasse là? J'ai pris de GA. Bon, c'est pas fou en vrai. Peut-être QSS c'était mieux en vrai. QSS c'était mieux potentiellement. Parce que ouais, GA c'était pas fou hein, quand même. Ouais, c'était pas fou GA. Ah, sympa ça. Ok, GA est beaucoup mieux maintenant que GA en Zilean. C'est vraiment très fort GA sur Zilean parce qu'il peut vraiment refaire des ultis sur les gens après. Très très bon je trouve. Change tout ça. J'espère que l'autre il va bouger son Sylas. Putain, il a pas bougé son Shroud, putain fait chier quoi. Par contre il a bougé tout le reste donc finalement il est bien placé mon Yone. En fait j'espérais qu'il soit pas dans le Shroud mais bon. Ah mon Wukong s'est fait défoncer. Putain mon Wukong s'est fait OS ce connard quoi. Bon bah rip. À moins que je batte l'autre et qu'il prenne plus cher que moi, mais c'est chaud là en vrai. Est-ce qu'il y a un monde où je bats? Ouais, du coup, je t'ai pas placé pour lui du coup. Ah, dommage. Bon, les deux me battaient du coup. En vrai, j'ai pas eu. Peu de réussite. Mon Warwick, ça fait trop. Ouais, c'était trop en front lane là.